Les déterminants sont les petits mots qui accompagnent le nom. Ils donnent des informations sur le nombre du nom. Est-ce qu'il est tout seul, il est au singulier, ou est-ce qu'ils sont plusieurs, pluriel? Mais aussi des informations sur le genre. Est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin? Il existe plusieurs familles de déterminants. Tout d'abord, les articles définis. Ils servent à désigner une personne ou une chose en particulier. Ces articles définis sont le, la, elle apostrophe, les. Au contraire, les articles indéfinis ne désignent pas quelque chose en particulier. Il s'agit des déterminants un, une ou des. Les déterminants possessifs servent à montrer l'appartenance du nom à une personne. Ça appartient à quelqu'un, c'est le mien, le tien. Par exemple, ma, ta, ses, nos, votre, le, et bien d'autres encore. Les déterminants démonstratifs servent à montrer quelque chose, à désigner quelque chose. Ces déterminants démonstratifs sont ce, cette, cette au féminin avec deux TE, et ces, CES. Enfin, les déterminants cardinaux, ou le déterminant cardinal, renseignent sur le nombre du nom. Il s'agit en effet de tous les mots nombres qui peuvent exister, 1, 2, 3, 5773, etc. Il existe encore d'autres familles de déterminants, mais celles-ci sont les plus fréquentes.